nous allons maintenant passer à la troisième étape, qui est la dot. Comme nous sommes entrés, nous avons demandé la main, on a accepté tout cela, nous allons maintenant apporter la dot. Ce que nous avons pu trouver, vous savez, quand le serviteur d'Abraham était allé chercher la femme d'Isaac, il était parti avec les cadeaux qu'il avait. C'était les cadeaux pour la famille. Certains cadeaux ont été donnés à la femme. D'autres cadeaux ont été donnés aux parents. Et nous avons des cadeaux avec nous. Parce que la main acceptée veut dire déjà que les gens sont d'accord, vous êtes d'accord à donner votre fille en mariage à notre fils qui est là. Sur cette liste, il y avait deux serviettes. Il y avait deux pains. Deux pains wax que nous déposons à côté. C'est un sac de sel. Ça vous sert. Au-dessus de tout cela, il y a une enveloppe. Une enveloppe de 50 000 francs. Merci beaucoup. Pourquoi les 50 000, ça ne reflète pas vraiment ce que représente notre fille. Personnellement, il faut que vous arriviez à donner 500 000. À ce sujet, nous avons compris. Mais on va se retirer d'abord. Si vous permettez qu'on se retire pour répondre à votre préoccupation. Le CD voudrait savoir si vous êtes sérieux ou bien si c'est une mise en scène. 500 000, comme c'est entre nous ici, c'est vrai, c'est une somme qu'on peut donner. Mais aussi, c'est négociable. Pour quelqu'un qui est humble, qui va venir demander pardon. Mais un orgueilleux va déposer ses 500 000 ici. Nous allons refuser même. Ah, d'accord. On sera qu'il est orgueilleux. Ah, d'accord. Donc, c'est pour savoir comment est la belle famille. Notre famille. Quelques éléments d'information. Au départ, nous avions pensé que c'était un mariage chrétien, purement chrétien, 100% chrétien. Et là, au fur et à mesure que nous avançons, la famille de la fiancée, la future épouse, exige 500 000 francs. Alors, en avez-vous les moyens? Nous sommes déjà dedans. Et c'est ça le mariage. Bien que nous sommes une communauté chrétienne, mais la dot dépasse un peu l'Église pour rentrer même dans la culture. Quand Abraham était déjà un enfant de Dieu, il était déjà un serviteur de Dieu. Mais quand il voulait prendre la femme pour son fils, son serviteur qui l'a envoyé pour doter la femme d'Isaac, ce serviteur-là n'a pas dit que son maître appartient à Dieu. Il a envoyé tout ce qu'il fallait et les choses sont passées selon les coutumes et les traditions des parents de la fille. Et il a pris la fille pour venir. Donc, si nous arrivons ici, bien que les parents sont des chrétiens, mais il y a aussi d'autres parents qui sont là, qui ne sont pas des chrétiens. Donc, on prend en compte toutes les doléances qu'ils nous accordent, tout ce qu'ils nous demandent. Même si nous n'avons pas 500 000 francs,
Mais nous sommes là déjà et on nous a demandé 500 000. Et c'est pourquoi vous voyez que nous sommes sortis, nous sommes partis nous concerter pour venir leur proposer quelque chose. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous savons qu'ils sont indigents et la fille n'étant pas à vendre, et ce n'était pas donc 500 000 francs. Mais nous ont demandé, nous comparons 18 places là que nous n'avons pas 500 000. Nous sommes partis nous concerter, nous avons trouvé la stratégie des négociations qu'il faut et nous avons présenté cela. Donc, les parents ont accepté déjà le pardon que nous avons donné. En fait, c'est pour savoir que si nous sommes humbles, c'est juste pour notre humilité. Nous savons qu'il ne faut pas nous demander 500 000. C'est pas évident, pasteur. Alors, si la famille reste sur sa position, oui, et qu'elle était rigide, 500 000 ou pas, que feriez-vous? Oh, mais si nous n'avons pas la possibilité d'envoyer des gens aller chercher de l'argent pour que nous puissions avoir les 500 000 francs, nous demandons à nous retirer définitivement. Pas que nous ne voulons plus de la femme, mais cette cérémonie-là, nous mettons un terme à ça. Et nous leur disons que nous allons nous préparer pour venir une autre fois. Donc une autre cérémonie devrait être organisée et nous allons venir. Donc il y aura encore des négociations dans la police et nous allons revenir. Bon, nous allons toujours chercher à ne pas. Nous disons que nous ne pouvons pas chercher 500 000 francs forcément. Nous partons, nous allons trouver d'autres personnes plus indiquées qui viendront parler à la famille que vraiment laisser les jeunes gens. Permettez que. Prenez ce qu'ils ont. Et nous savons que ça va. Nous avons déjà essayé ça dans certains cas où les parents ne sont pas chrétiens, ils nous ont exigé des grandes choses, des donnes d'autres lourdes. Nous avons procédé de cette manière. Et comme témoignage, je suis allé dans un village pour doter la femme d'un frère et la famille voulait de l'alcool. Et moi j'ai dit que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas prendre de l'alcool. Je suis parti, la veille j'ai dormi dans la nuit, dans le village. On a commencé le matin jusqu'à 16h. Les parents étaient toujours rigides sur la question de l'alcool. Nous aussi, on a gardé notre position. Et en définitive, je leur ai dit, j'ai dit aux parents qui étaient là, que notre fille, notre soeur, ne doit pas être honorée par l'alcool. Parce que c'est ce qu'ils disaient. S'il n'y a pas d'alcool, la fille n'est pas honorée. Non, ce n'est pas l'alcool qui honore. Nous allons partir. Dans tous les villages, celui qui vient, il est roi. L'étranger est roi. Je suis arrivé chez vous. Moi, j'ai dit que je ne prends pas de l'alcool, je ne touche même pas à ça. Mais vous exigez que je prenne l'alcool. C'est que vous ne m'avez pas reçu. Vous m'avez chassé. Je m'en vais. Et ça les a adoucis. Maintenant, ils ont dit, donne ce que tu as. Alléluia. Soyez les bienvenus. Merci. La famille me charge encore de vous demander les nouvelles. Nous sommes partis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne représente pas ce que vous avez demandé. Mais il faut que nous ayons les mains chargées. Nous avons donc trouvé deux bouteilles de sucreries que j'ai à la main pour demander pardon. Toujours. Et vous allez vous rafraîchir la gorge avec ça. Mais les 500 000 francs, nous allons donner 500 000 francs, nous allons donner plus. Plus que ça. Chaque fois, le jeune marié et sa femme pourront venir chaque fois ici. Et vous allez vous rendre compte que les 500 000 francs, c'est petit par rapport à ce qui sera fait. Donc, Nous sommes rassurés que ça, c'est pas impossible. 500 000 francs, c'est pas impossible. C'est la chose que nous allons dépasser. Mais maintenant, où nous sommes là? Nous n'avons pas les 500 000. Nous en aurons. Mais nous demandons pardon maintenant. Et vous prenez ces bouteilles-là. Une bouteille de Fanta et une bouteille de Coca-Cola. Je vous remercie. La famille est chargée de vous dire qu'ils ont saisi cela.
La famille se charge encore de vous dire, c'est vrai, vous êtes notre interlocuteur, vous connaissez, mais celui pour qui vous plaidez là, si j'arrive le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, je ne sais pas lequel. En tout cas, nous sommes des parents. Comme on parle à la situation, les enfants ne parlent pas, c'est pourquoi nous l'avons laissé derrière. Très bien. Donc, voici le fils qui a trouvé, notre fils qui a trouvé une femme chez vous. Non, depuis. Salut, garçon, en Christ. Un des parents qui a vraiment pris soin de lui dit qu'il n'y a aucun bouton sur lui. Il est vraiment propre. Il a connu une bonne croissance. Vous voyez sa taille. Et ce que vous voyez dans l'apparence là, c'est ça. C'est encore meilleur dans le corps ici. Parce que Jésus est là-bas. Il s'appelle Kwabukan Claude Girard. Il est disciple du pasteur Bruce Sévérin. Mais ils vont aller consulter notre fille et avoir aussi son avis. Mais il y a une chose, avant de venir ici, vraiment, on n'a pas prévu ces choses-là, aller demander ceci, cela, parce qu'elle est très loin. Très loin. Nous allons marcher, ou bien nous allons prendre véhicule, ou bien nous allons prendre un hélicoptère. Arrivé en cours de route, peut-être on aura faim soif. Est-ce qu'on pourra faire aisément ses courses? Parce qu'on n'a pas prévu ça. On n'a pas prévu cela. Donc, vraiment, la part est dans votre camp. On ne savait pas que la fille n'est pas avec vous ici. Et je t'avais dit que frère Timélé, ensemble, je comptais sur toi, mais tu me fais aujourd'hui. Je ne te reconnais pas. Tu sais que j'ai bien, tu mets la fille loin, tu mets tout maintenant ici, qu'elle est loin. C'est pour ça que je t'avais envoyé derrière là-bas. Pour que tu puisses. C'était mon frère. Je t'avais dit que on a commencé à marcher ensemble comme ça. Tu vas nous connaître bien. Et pour le moment où nous sommes, aujourd'hui là, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas. On a pas d'exemple. Donc, pardon. Viens encore, pourquoi je me mets à genoux? Les parents, les chers, ils sont quand même indignés que si vous n'êtes pas prêts pour venir prendre leur fille, en ce moment-là, on va vous donner votre retour à votre domicile. Le jour que vous serez prêt, vous allez revenir. C'est pas facile de prendre une femme. Vous voyez comment j'ai transpiré. Nous avons brouillé. Nous avons brouillé même. Si il y a quelque chose encore, vraiment, on ne sait plus comment on va faire. Nous sommes là, nous sommes pratiquement à la limite. On a trouvé 1000 francs. 1000 francs. Là, tu veux 1000 francs. Ça, c'est non, transport, j'ai pris ça dans tes mains. Ce n'est pas pour aller. J'espère que ce n'est pas pour aller seulement poser la question pour venir prendre encore le transport. Qu'elle vienne. Tu poses la question, tu l'envoies en même temps. Et on a compris. Et nous allons remettre cette somme à sa maman. Tout cela pourrait l'encourager. Encourager sa fille, m'a donné la suite. Donc, la main m'informe dans les coulisses. Si elle demeure encore assise, c'est que, comme les gens le disent, il y aura même un peu faux encore
Père, il faut pour encourager. Maman. Maman, pardon. Je te reviens toi. Parce que ici. Pardon maintenant. Ok. Maman dit, comme vraiment vous avez demandé le pardon, elle accepte le pardon. Elle va faire le possible pour aller transmettre cette nouvelle à sa fille. Il faut aller la chercher. Non, hein? Elle va demander si elle a tout ça. Elle peut être bien avec elle. Non, sa fille et sa fille est consentante, elle dit qu'elle est d'accord, qu'elle connaît le jeune garçon mignon. Parce que vous êtes présenté ici, qu'elle est d'accord. Donc si elle est d'accord, nous acceptons tout ce que vous avez déposé ici. Je veux maintenant une acclamation. Une acclamation. Alléluia. Alléluia. Acclamation Jésus. C'est le mariage qui vient d'être accepté ici. Ce que nous allons faire à la mairie, dans ça, c'est pour c'est la formalité. Donc, c'est le vrai mariage qui vient d'être fait. Et il faut acclamer très fort. Acclamer fort. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la famille. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Quand vous remettez touche une chose, que ça soit béni. Amen. Et nous allons passer tout à l'heure encore pour vous saluer. Parce que nous venons ainsi de tisser un grand lien. Un lien qui ne peut pas être brisé. Que Dieu vous bénisse. Votre cher fils dit que qu'il a trouvé c'était un âge où il pouvait déjà se marier. Et ça, il a déjà pensé à tout le temps qu'elle a passé autour de sa mère jusqu'à ce qu'elle arrive à cet âge-là. Il a donc imaginé que, sans doute, les pipis, les selles, tout ça là dans les habits, pour les laver plusieurs fois dans la même journée,
ça a dû user beaucoup d'habits. Ça a dû donner beaucoup de peine à la mère qui portait l'enfant au dos. Et sans vouloir remplacer toute la garde-robe de sa belle-mère, il a seulement décidé de donner ce pain que voici. C'est un pain hollandais. Un pain hollandais à sa mère, comme symbole pour remplacer les habits dans lesquels est-ce que faisait les choses. Il a prévu un autre pain, Wass, de Côte d'Ivoire, pour sa femme. Est-ce que c'est comme si elle vient de là d'accepter les avances qu'il avait effectuées là-bas. Mais maintenant, là, c'est concret. C'est le mariage qui vient d'être accepté. Donc, il accorde ça comme un cadeau qu'il faut offrir à la sœur, donc à sa femme, Estou. Il a ajouté à cela une Bible. Une Bible. La Bible, c'est le livre des poches des femmes. C'est ça qui va former une couronne, une vraie couronne dans le cœur. Pas une couronne apparente qu'on voit. La vraie couronne qui est dans le cœur des femmes. Le frère veut voir ça. Donc elle va méditer chaque matin. Elle va rencontrer Dieu. Elle va recevoir le Dieu. Donc, c'est un frère sage. Alléluia. Et donc, nous allons... Ça, c'est pour offrir ça. C'est pour offrir à Marie. Que la famille me charge de venir encore vers vous. Pour tout ce que vous avez fait. Et ça nous joue vraiment le cœur de la famille. Donc, elle va venir vous dire merci. Maintenant, nous sommes très impatients. Alléluia. Et nous demandons votre indulgence de parage sur la route. J'informe les parents pour marier que j'ai essayé de démanteler les corridors, mais certainement avec l'aide des parents, je pourrais réussir. Sinon, il y a un blocus. Donc, j'informe les parents pour marier qu'il y a un blocus. J'ai besoin de leur aide pour démanteler les corridors. Alors, Pasteur Zoro, les obstacles continuent toujours. Cette fois-ci, c'est les ponts à péage. Non, les qu'est-ce qui se passe dans ce mariage? Les obstacles là, ça c'est là. Les parents nous ont dit qu'ils vont envoyer la fille. Donc, maintenant où nous sommes là, la fête a déjà commencé dans nos cœurs. Donc, vous ne résistez pas les ponts à péage? Nous avons envoyé notre fils. Donc, c'est pas fille. C'est vrai, nous avons saisi tout ce que vous avez donné, soit la joie et le cœur, et pour vous aider, on a envoyé des gens pour aller chercher votre fille. Le problème se pose est que ses sœurs s'opposent vivement pour laisser venir leurs sœurs. Donc, ils attendent à ce que vous, parents de l'homme, dites quelque chose. Donc, ils attendent vos réactions. La commission qu'elles nous ont fait parvenir. Donc,
nous vous attendons. Nous sommes de bon cœur pour qu'elle vienne, mais là, c'est au niveau des sœurs maintenant qu'il faut régler. Pasteur Tiemele, quelle est la valeur d'un blocus à côté du pouvoir de la chefferie? C'est justement ce que je devais dire. Nous avons déjà signalé que nous sommes en de bonnes mains ici. Nous sommes ici, là. Ni la pluie, ni le vent, rien ne peut nous toucher. Ici, là. Nous sommes venus dans une famille digne. Et les gens sont très forts. Nous ne pouvons pas comprendre que une famille comme ça nous dit que la fille arrive. Et puis des jeunes gens vont à la route quelque part. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous considérons que ce que le chef a dit là, c'est la parole du chef. Nous attendons notre femme maintenant. On ne nous inquiète pas à l'étranger où nous sommes là. Nous ne voulons pas inquiéter. Nous voulons vraiment la femme. Alors, ce n'est pas juste des jeunes gens qui partent la route. C'est une question familiale. Les jeunes gens que vous voyez, c'est les frères, les sœurs de la mariée. Ils ont des douleurs au cœur de voir leur sœur partir comme ça. Des douleurs au cœur. Alors, parlez à leur cœur. Sachez parler à leur cœur. Agissez. Alors, à part de votre camp, vous les voyez? Tous les visages sont des frères qui vous regardent. Agissez, parlez à leur cœur. Ah bon, vos visages sont des frères? Bon. Bon. Voilà Dieu. Donc, les frères et les sœurs, nous vous comprenons. Après l'intervention du chef de famille. Mais nous avons déjà dit à vos parents qu'on n'a fermé pas un bout. Nous devons partir. Si nous sommes depuis ici, que nous ne pouvons pas partir, on va rester chez vous ici. Donc, comme on nous a dit que vos cœurs saignent, c'est votre chef. C'est moi. Chef des filles et des garçons. Donc, on prend 500 francs. 500 francs pour les filles et les garçons, les frères et les sœurs. Le mariage là, c'est votre mariage. Il y aura beaucoup de. Quand vous allez passer tout le temps pour aller à la maison, vous dormez d'abord, vous quittez ici. Nous, on ne sera pas là. Donc, ça ne peut que commencer. Acceptez ça. La donne même pour vous là, ça vient. Après le mariage, vous passez à la maison. Le mari méchant ne vous dit qu'il vous attend à la maison. Il ne vous attend pas à la porte aussi. Rendez-vous à la maison. Si vous continuez comme ça, vous allez rester ici parce que ces jeunes gens là sont intransigeants. Négocier avec les parents pour qu'ils aient parlé au cœur de leurs enfants. Allez-y vous-même. Allez-y, vous allez voir. Si vous pouvez passer, allez-y. Allez-y. Non, ce qui est déjà parti est déjà parti. Vous avez perdu. Vous avez perdu parce que vous avez frappé là où vous n'avez pas frappé. C'est déjà fini. Cette cartouche est déjà perdue. Les enfants sont forts, c'est parce que les parents sont derrière. Donc nous allons faire les parents. Pour que les parents parlent à leurs enfants. Nous vous supplions de dire quelque chose aux jeunes gens pour passer à vous. Et nous allons voir vos enfants les rencontrer
pour leur présenter ça. Si ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Nous allons leur parler. On est nombreux au fait. Il y a tous la même population. C'est 1000 francs seulement. C'est pas 16 euros. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Tenez ça, vous allez manger votre. Merci pour le mariage à ces pauvres. Oh, disons, merci, Seigneur. Oh, disons, merci, nous sommes la communauté missionnaire chrétienne internationale et le Seigneur dans sa grâce a permis que nous commencions notre œuvre ici à Yopougon en 99. Et j'étais avec mon ami et collègue, le pasteur Oka. Alléluia. En 99, merci beaucoup. Nous avions commencé le 31 octobre 99 et la conquête donc des âmes avait ainsi démarré avec l'implantation de la première assemblée de l'église de Yopougon. Et le Seigneur, dans sa grâce, pendant que nous nous sommes lancés dans la conquête des âmes, nous avons rencontré le couple Yaoundrin. Alléluia! C'était en février l'an 2000 que nous avions rencontré le frère Zahi et sa femme. La sœur Louise était la première à ouvrir son cœur à l'évangile et à se repentir et à nous rejoindre. Son mari nous a rejoint plus tard en août l'an 2000. Alléluia! Et la petite Esther que vous voyez n'avait que 3 ans à cette époque. Et elle a suivi ses parents et plus tard elle a ouvert son cœur à Jésus. Elle a donné sa vie au Seigneur, elle s'est repentie et elle est demeurée en Christ jusqu'à ce jour. Ça mérite des acclamations. Alléluia. Nos cœurs sont reconnaissants au Seigneur. Et nous voulons encourager tous les parents, les amis, les connaissances, tous les frères à aimer Jésus, à s'attacher à Christ. Jésus donne le salut complet. Quand tu entres en Christ, non seulement tu as la vie éternelle que personne ne peut donner, Jésus te donne la vie éternelle, cadeau. Et au-delà de la vie éternelle, Jésus te donne tout ce qui peut contribuer à ton bonheur terrestre. Jésus te donne. Le long du chemin, le Seigneur prévoit pour toi tout ce qui peut te bénir. Si c'est les moyens financiers, Dieu a prévu. Dieu va t'en donner. Si c'est le mariage, Dieu donne le mariage. Si c'est les enfants, le Seigneur donne les enfants. Le travail, Dieu donne le travail. Quand tu n'as pas encore reçu ce que tu demandes, persévère, persévère. Dans la patience, persévère. Un jour, Dieu va te visiter. Un jour, Dieu va te visiter. Dis amen.
Et quand nous voyons Esther, nous sommes juste bénis. Nous n'avons jamais pensé que le frère-ci allait sortir de quelque part pour porter les regards sur notre fille. Alléluia. Et bientôt, nous allons partir à la mairie et nous allons les bénir officiellement. Vous allez attendre leur témoignage. Ce jeune homme sait ce qu'il veut. Il m'a poursuivi, il y a de cela plus de 3 ans, pour cette petite fille-là. Alléluia. Alléluia. Quand il va, il vient dire, pasteur, ta fille-là, je l'aime. J'ai dit, mon ami, comment toi tu t'es arrangé? Tu es loin, il ne te connaît même pas bien. Et puis tu prends des regards sur ma fille, tu as fait comment? Il dit, je l'aime. Je l'aime. Je dis, bon, écoute, elle est l'aime. Tout ça, pour laisser moi, je veux les études, pour qu'elle m'apporte les résultats. Oublie ça d'abord. Après, son fidèle de disciple, le pasteur Brou, m'appelle, dit, pasteur, mon fils là, il est chaud. Il est parti en formation. Il était au Niger. De là-bas, il m'appelle. Il dit, pasteur, mon dossier, c'est comment? Alléluia. Après, il est parti en stage en France. Arrivé là-bas, il m'appelle. Il dit, je suis en stage en France. Il descend bientôt. Mon dossier, c'est comment? Alléluia. Et c'est un garçon sérieux et merveilleux. Et nous sommes heureux de l'avoir pour Jean, de l'avoir pour beau-fils. Et nous voulons te rassurer aussi que tu as eu une belle femme. Une femme merveilleuse. Alléluia. Elle fera ta joie et ton bonheur. Les parents, soyez sans crainte. Nous allons les aider. Ce sont des jeunes. Ils sont tout jeunes. Elle n'a que 21 ans. Lui, il a 27 ans. Nous allons les aider. Et nous savons qu'ils vont réussir par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous allons les bénir. Avant de passer à la bénédiction, nous allons laisser la parole à cette charmante dame qui s'appelle Marguerite Lombé, la femme du pasteur qui tient le micro. Si je vais emboîter les pas à mon ami Oka, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alléluia. Et c'est entre ses mains que Esther est née en Christ depuis l'âge de 3 ans. C'est elle, sa mère en Christ. C'est elle qui a pris soin d'elle spirituellement jusqu'à ce qu'elle arrive là où elle est aujourd'hui. Donc elle a un mot à dire avant qu'on ne passe à la bénédiction. Gloire à Dieu. Je suis la plus heureuse ce jour. Je suis très contente. Je veux lui dire merci de ce qu'elle a demeuré en Christ jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'un homme porte un regard sur elle. Demander sa main. C'est cette joie-là que je veux exprimer. Lui dire merci. J'ai prévu un pain pour lui dire merci et l'encourager à demeurer davantage en Christ et à faire la joie de son mari. Ne pas pleurer. Hein? Nous sommes dans la joie pour toi. Et je te bénis. Je bénis ton couple avec la joie, le bonheur, l'entente. Que vous soyez un couple modèle dans l'église, dans vos différentes familles, dans le monde. Que les gens disent que voici le couple qu'il nous faut. Nous devons faire comme ceux-là, comme Gérard et Esther. Je suis dans la joie. Je suis content que ce jour. Je vous remercie. Merci de vous avoir fait.
Alors, nous allons prier pour les bénis. Ça, c'est juste un avant-goût de la bénédiction. Vous savez, dans la Bible, nous prenons Genèse chapitre 24, à partir du verset 50 au verset 54. Laban et Pétuel répondirent et dirent : c'est de l'Éternel que la chose vient, et nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca, et fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passaient la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit : laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent : veux-tu aller avec cet homme ? Elle répondit : j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et il dit, écoutez très bien, c'est la partie la plus importante. Verset 60. Il bénit Rebecca et il dit : oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servants, elles montèrent sur les chameaux et suivit l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Alléluia. Donc, les parents qui étaient réunis ce jour-là, le jour de la dot, avaient béni leur fille. Et par ricochet, avaient béni donc le couple. En demandant à Dieu deux choses. Puisses-tu devenir des milliers de milliards. Que Rebecca devienne nombreuse, qu'elle multiplie. Aujourd'hui, vous voyez les enfants d'Israël. Et nous-mêmes, nous sommes aussi israélites. Alléluia. Par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Vous connaissez Israël. Un peuple puissant, intelligent. Frère, cher invité, cher parent, la bénédiction que tu vas libérer sur tes enfants ce jour va s'accomplir. Dieu va l'amener à l'accomplissement. Et c'est pour cela que nous allons demander à toute l'assistance de prier. Tu vas bénir. Peut-être que le jour du mariage, tu pourrais être empêché. Le mariage civil, tu peux ne pas être là. Libère ta part de bénédiction maintenant. Ouvre ta bouche et dis ce que tu veux voir accomplir dans la vie de ce jeune couple. Et après cela, les deux parents, le père du marié, le père de la mariée, vont bénir leurs enfants. Alléluia. Et nous aurons clôturé la bénédiction. Donc, étends ta main vers eux et bénis-les, prions ensemble. Amen. Le représentant du père, il va prendre la parole pour libérer la bénédiction au nom de la famille. Père, je prie que tu bénisses ce couple. Bénis le frère, bénis la sœur, bénis leur union. Bénis-les spirituellement, Seigneur. Qu'ils aient une bonne santé spirituelle à partir de ce mariage. Donne-leur, Seigneur, des bénédictions spirituelles à tous les niveaux. Permets que leur union soit scellée dans le sang de Jésus. Que toute porte que l'ennemi avait ouverte pour les empêcher d'avancer ensemble, qu'elles soient fermées à jamais. Et que les grandes portes de bénédiction
du succès, de la victoire, ensemble, à travers cette union, vienne à l'existence et qu'elle s'ouvre, Seigneur. Père, je prie que tu leur donnes des enfants. Je prie que, Seigneur, tu leur accordes de s'aimer un amour surnaturel, un amour divin, Seigneur. Donne-leur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de recevoir toutes les bénédictions sociales, les bénédictions physiques, pour que, Seigneur, le but pour lequel tu les as unis soit accompli, Seigneur. Ô notre Dieu, sois au centre de ce mariage et conduis ce mariage d'un bout à l'autre, afin que tes desseins éternels s'accomplissent de manière parfaite et totale. Louange et gloire à toi, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, en ce jour béni, je voudrais, Seigneur, bénir tes enfants. Surtout ta fille Esther, Seigneur. Tu l'as vu naître. Je libère la bénédiction venant de toi. Qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit en bonne santé. Qu'il réussisse, qu'il prospère à tous égards. Que les aujourd'hui connaissent Jésus-Christ. Qui demeure éternellement béni. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.
beaucoup. On va se marier. On va se marier. Et c'est l'anniversaire de notre bien-aimée sœur Esther. Le jour de sa gosse coïncide avec son jour d'anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.